Alors, c'est un lieu où les enfants peuvent expérimenter. Qu'est-ce que c'est un membre de Parlement européen? Et pour les jeunes, c'est un sujet très intéressant. Il n'a pas beaucoup de... mais peut-être on a d'intérêt de politique, mais le politique européen, c'est très long de... comment on le dit l'intérêt de Jacques Chour. On a fait un jeu qu'on peut jouer dans la classe. On entre le jeu comme une membre de Parlement. Et par exemple, je suis un jeune garçon de 15 ans, mais dans le jeu, je suis 50. J'ai fait beaucoup de business déjà et maintenant je suis un membre du Parlement. Il y a 5 partis politiques et on est un membre d'une des parties. Et on explorait quel parti et qu'est-ce que c'est terminologie de EU Parlement. Ça, c'est le premier niveau. Merci. Il y a une combinaison de savoir les choses dans le game et dans le jeu, mais aussi on a contact dans la classe et très engagé pour faire et savoir qu'est-ce que c'est pour travailler ensemble et faire une coalition. Et ça, c'est en politique très important. Nous avons demandé dans chaque phase de le développement de le jeu, qu'est-ce que vous avez besoin? Parce que nous avons seulement 2 heures en classe qu'on parle de le Parlement européen. Et alors, qu'est-ce que c'est mieux? Il y a un besoin de Serious Game et tout le monde, on m'a dit, c'est mieux parce que nous pouvons voir que les élèves sont plus engagés, intéressés, parce qu'ils font beaucoup de choses dans les 2 jours. Je crois qu'on peut l'user en éducation, mais aussi pour la politique vraiment.